Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 8 juillet. Je viens de terminer le vlog qui a été posté juste avant. Je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous de faire ça en deux vlogs, dont un dédié à notre night routine. Comme ça, ce sera peut-être mieux pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vais vous emmener du coup avec nous toute la soirée pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il n'y a rien d'extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, comme vous me l'aviez demandé, c'est fait. D'ailleurs, regardez la vidéo, etc. Et après, dites-moi si vous voulez que je vous la refasse, mais en mode un peu mieux filmé. Vu que là, ce sera toujours tenu un petit peu à la perche comme ça. Vous serez posé de temps en temps, mais ce sera pas vraiment comme une night routine de base, on va dire, comme on voit sur YouTube habituellement. Donc voilà, donnez-moi votre avis à la fin de la vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des filles à la crèche. Et après, notre night routine pourra commencer. En général, j'attends d'avoir fini mon travail sur l'ordinateur pour aller chercher les filles. Là, c'est ce que je viens de faire. Donc le montage du vlog que vous avez vu juste avant est terminé. Mes lunettes viennent de chez Chris, si jamais vous me le demandez. Ça fait partie des montures pas chères. Là, il y a une petite dans la rue, à chaque fois qu'elle voit Jade, elle veut toujours jouer avec elle. Donc, on verra là comment ça se passe après. Parce qu'honnêtement, c'est la guerre des fois pour faire remonter Jade à l'appartement alors que cette petite est en bas et qu'elle veut rester avec elle. Mais bon, je vais pas trop la laisser jouer sur le parking, hein. On est prête? Ouais. On est passé dans les arbres. Ouais, on est dans les arbres. T'as vu ça? C'est trop génial, non? Non. Non? Ouais. Bon ben voilà, je ne me bagarrer pendant une demi-heure avec ce petit singe parce qu'il y avait sa copine et qu'elle voulait pas rentrer. Après cette petite bagarre avec Jade qui voulait pas rentrer parce qu'il y avait sa copine dehors, on est enfin rentré. Il est 18h30 déjà. Ouais. Ouais. Elle m'a bien fait galérer. Parce qu'en plus de ça, si elle rentre pas, Pumba, elle rentre pas. Et comme il y avait un autre chien, ils se sont bagarrés aussi. Donc j'avais Jade qui courait dans un sens, Pumba dans l'autre. Heureusement que c'est un parking fermé parce que je crois que là, j'aurais été un blanc. Donc voilà, on vient de rentrer. Et ça se dispute déjà. En vrai, le programme n'est pas toujours pareil, enfin ça dépend de l'ordre. Là je vais les laisser jouer, après elles vont prendre leur bain, ensuite je vais faire à manger. Là en fait... On va faire à manger après, on y va, on va aller dehors, on va aller dehors. Voilà, j'ai posé le trépied juste avant de partir, je me suis dit j'espère qu'elles vont pas le voir, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, laisse-le là-bas, c'est dangereux. Oui, Lou a commencé à manger comme nous. Lou a commencé à manger comme nous là ce week-end. Donc elle a mangé. J'avais fait quoi? J'avais fait du steak haché, des pâtes et des. Je sais plus ce que j'avais fait comme légumes, mais en tout cas elle avait tout mangé et elle était trop contente. Au goûter, j'avais fait un petit Suisse. Mais c'était bien. Au goûter, j'avais fait un petit Suisse avec des kiwis et un gâteau. Elle a tout dévoré, les kiwis, elles ont trop aimé, donc j'étais contente. Parce que Jade, avant, elle aimait pas trop, elle voulait pas trop goûter tout ce qui était fruits et légumes. Et là, en ce moment, elle est un peu moins difficile, donc ça fait plaisir. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que Lou va encore manger comme nous ce soir. Je vais voir ce que je vais faire. En fait, j'ai des steaks de soja, etc., là, que je vous ai déjà montré sur Instagram et tout. Mais je sais pas si pour les bébés, c'est bon... Enfin, je sais que c'est pas bon de trop en manger, des trucs de soja, etc. Donc, je sais pas pour les bébés si c'est bon. Voilà, on verra. Bon, j'ai toujours pas enlevé ma veste depuis tout à l'heure, on parle d'un fauteuil. Non, 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 ça c'est pas... Non, c'est pas drôle ça. Voilà. On est dans la maison. On est dans la maison. J'ai pas changé. C'est quoi ça? C'est qui fait ça? C'est papa. Papa il fait ça? Papa, papa, papa. Tu veux faire pipi? Ah bah go go go.
Moi, je vais déshabiller le loup en attendant. Au niveau du savon, je prends celui-là, c'est la marque Biolan. Je l'avais testé sur l'application Yuka et il était bien. Donc voilà, si jamais. Et petit conseil, vous savez les jouets pour le bain, on appuie dessus et l'eau sort de la bouche, enfin d'un trou quoi. Je vous déconseille parce que en fait dedans, l'eau elle stagne dedans en fait et après ça devient vraiment super sale et vous pouvez pas jouer avec très très longtemps quoi. Donc voilà. C'est prendre des jouets qui sont totalement fermés. Je sais pas si vous m'avez entendu, mais bon. J'ai oublié d'enlever l'élastique. Par contre, Lou, si tu enlèves le bouchon, le bain, il va pas durer très longtemps. Désolée, c'est tout flou, mais j'ai qu'une main. Hop, est-ce que c'est bon? Voilà, elles sont toutes propres. Je vais les laisser un petit peu en peignoir sécher, puis c'est rigolo pour elles d'être toutes nues. Donc pendant ce temps-là, je vais aller préparer des vêtements, des couches, etc. Et après, je vais m'attaquer à la nourriture. Pendant ce temps-là, je vais préparer les affaires des filles. Elles sont juste là, donc je peux les surveiller en même temps. Bon, là, je leur prends encore des pyjamas tout fins, vu qu'il fait bien chaud quand même encore à l'intérieur. Pour le loup, Jade, en général, elle a vite chaud en dormant, donc je lui mets un petit truc léger. En général, c'est un t-shirt. Voilà. Avec un pantalon. Voilà. Et là, ça va être la guerre pour les mettre en pyjama. Bon, pour l'instant, je vais les laisser jouer. Normalement, elles ne devraient pas faire pipi. Jade, elle est allée aux toilettes juste avant. Jade, ça fait plusieurs mois déjà qu'elle est propre. Il y a encore quelques petits accidents à la crèche. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne lui demandent pas ou qu'elle ne prend pas le temps de demander. Je ne sais pas. Peut-être que vu qu'elle joue, elle y pense moins. Mais en tout cas, elle est propre quand même. Mais j'espère quand même que ce vlog vous plaît. Les petits vlogs en famille comme ça. Personnellement, j'adore les regarder. Donc là, la salle de bain, c'est le bordel, il y en a partout. Mais je le ferai tout à l'heure. Vu que là, je dois aller faire à manger et les préparer. Non. Bon, j'ai oublié de la garder à bras parce que sinon, elle va faire des catastrophes. Et en plus de ça, elle est contente. On va aller à la première. Je crois que depuis que je suis maman, surtout de loup, je sais tout faire à une main. Il n'y a plus de batterie, donc je vais aller la chercher tout de suite. Je me rajoute des tâches en plus, c'est génial. Je suis en train de me rendre compte de la tête avec laquelle je m'affiche sur internet.
Mais dans tous les cas, vous allez me voir me dégrader au fur et à mesure de la vidéo, donc c'est pas bien grave. J'ai regardé sur internet, c'est marqué que pour Jade, par exemple, ça serait bien adapté. Mais par rapport à Lou, à ses besoins, ça va pas. Donc soit je lui fais un plat préparé, vu qu'il m'en reste encore quelques-uns. Soit je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir, donc voilà. Je vais regarder ça tout de suite et on verra. Je sais pas quelle heure il est. Il est 19h15, d'habitude elle mange dans ces zones-là, donc je vais regarder. D'habitude on est deux, c'est un petit peu plus rapide. Donc au final je vais lui faire un plat préparé vu qu'il y en a un d'ouvert dans le frigo en fait qu'elle avait pas mangé vu qu'elle avait mangé comme nous. Ouais, je vais faire ça et pour Jade et pour moi je vais faire des escalopes de soja et blé et des brocolis pour Jade et des tomates pour moi. Ouais je sais ma chérie. Donc la Lou va manger, après je vais faire manger pour nous et pendant ce temps là je vais tout bas manger. Et après, Lou ira se coucher parce qu'en général elle se couche pas très tard. Enfin, je dis ça, mais hier elle s'est endormie à 22h. J'étais crevée. Maman, tu fais quoi? Je parle à la vidéo. Ah, pourquoi? Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais je les ai scannés aussi et c'est excellent. C'est toujours plus rassurant. En fait, j'avoue qu'avant j'avais l'impression que c'était. Enfin, je pensais que ça allait me dire bon, mais pas excellent quand même. Du coup, j'avais acheté ça à Jade pour lui dire des histoires le soir. Et elle l'aime plutôt pas mal. Et puis, ils sont jolis. Il y a plusieurs histoires dedans qui sont un peu longues. Habituellement, je prenais des livres Disney. Mais en fait, dedans, les histoires, même si c'est tout un livre, elles durent même pas 5 minutes. Quoi. Donc, ça, c'est super bien. Et puis, au moins, elle était contente de l'avoir. Et elle a envie de le lire le soir. Quoi. Moi, j'arrive tout de suite. Je vais aller fermer tous les volets. Voilà, donc ce soir ce que je vais faire c'est ça, ce sont des escalopes soja et blé de chez Erta, le bon végétal, c'est super bon, ça a un côté un petit peu piquant, il y a du paprika et du piment dedans, et encore une fois c'est noté excellent sur l'application, je vous le dis parce que je me fie beaucoup à cette application en ce moment pour me diriger vers de meilleurs aliments pour les filles etc, donc voilà, ça elle adore, elle appelle ça des cordons bleus mais au moins elle adore ça. Et là j'ai des brocolis tout faits, donc j'ai juste à les réchauffer dans le micro-ondes. C'est la maman de mon copain qui les a préparés pour Jeanne, vu qu'elle adore ça et qu'elle le sait. Voilà, au moins c'est cool, c'est rapide, c'est fait et je sais qu'elle va se régaler. Je vais pas tarder à la mettre au lit, donc je vous le dis tout de suite au cas où. Tu fais au revoir Loulou? Tu fais au revoir à la caméra? Au revoir. Au revoir. Hier elle m'a fait trop rire, genre je vous ai dit elle s'est couchée. Ah bah dis-lui non. Non. Hier elle m'a fait trop rire parce que je vous ai dit qu'elle était fatiguée à 22h, elle s'est pas couchée avant alors que d'habitude c'est 19h30, 20h qu'elle est fatiguée. Elle arrêtait pas, j'ai essayé de la mettre au lit plusieurs fois et tout. Et à 22h, genre elle hurlait donc je l'ai prise dans mes bras alors qu'elle était en train de jouer ici avec nous. Je l'ai prise, elle m'a dit direct au revoir. Du coup elle a dit au revoir à tout le monde, elle a fait des bisous, je l'ai mise au lit et là ça a été. Donc en gros, elle m'a dit elle-même quand elle était fatiguée. Ça m'a fait rire. Donc vous voyez qu'au final, notre soirée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quoi. Elles se lavent, elles mangent, elles vont faire dodo. Et elles jouent entre deux. Moi, le programme après, c'est de faire du montage. Vous parler sur Instagram parce que ça fait un moment que je n'ai pas répondu à vos messages. Et voilà. Après ça, j'irai dormir comme tout le monde. Je fais rien de spécial pour ma peau, je vais aller juste me démaquiller. En général, je vous avoue que comme la salle de bain, elle est juste à côté de la chambre de Lou, j'allume pas la lumière, genre je m'éclaire avec mon flash pour me démaquiller et c'est tout.
Je vais pas vous sortir une routine du soir de malade alors que pour l'instant en tout cas je fais pas grand chose. Je prends pas le temps de le faire. Après je vous avoue je pourrais le faire si jamais j'en avais envie. Mais je prends pas le temps de faire ça le soir. Honnêtement le soir j'ai pas le courage. En tout cas je vais pas m'arrêter là pour le vlog mais j'espère que ça vous plaît vraiment. C'est très simple mais c'est nous. Mon amour. Tu fais des bisous? Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Bon appétit. Mais t'as pas coupé ça. Ah, j'ai coupé. Bon appétit. Bon appétit. Bon, elle est pas du tout fatiguée. J'espère qu'elle va se coucher plus tôt qu'hier quand même. Parce que c'était un petit peu fatigant. Hein? Mais bon. Crapule. Petit update, il est 21h. Lou n'est toujours pas au lit et elle est en grande forme. Moi je suis crevée parce qu'elle m'a fait courir partout depuis tout à l'heure. Parce qu'elle est quand même fatiguée en fait. Du coup elle arrête pas de tomber mais je veux pas aller dormir. Dès que je la mets dans son lit c'est la crise. Donc j'attends. Je veux pas la forcer à aller au lit. Donc Jade est toujours à table parce qu'elle met une éternité à manger à chaque fois. Elle prend tout son temps. Autant mieux au moins elle mange pas trop vite mais bon. Bah, après ça sinon je dois encore... ranger la cuisine, faire la petite vaisselle, préparer pour demain matin les vêtements, les biberons, les doses. Et après, ce sera enfin bon. Je pourrai m'attaquer au montage et au message parce que j'ai encore rien fait du coup. Mais ouais. Voilà. Je ressemble vraiment à rien. Bon, je vais pas parler fort et pas parler très longtemps non plus. Je viens de réussir à mettre Lou au lit. Elle dort pas encore, je pense, mais... Je vais la laisser s'endormir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer tout de suite au montage pendant que j'en ai le courage et que je suis pas trop fatiguée. À la limite, la vaisselle et tout, je la ferai demain matin. Enfin, il n'y a rien de pressé non plus. Donc voilà. Pour l'instant, je vous laisse là. Je pense vous reprendre quand même après au cas où. Mais je vous dis au revoir tout de suite pour l'instant. Je vous fais des très gros bisous en tout cas.